Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour briser un PA sur un solo monde qu'on est sur Dragon Heroes. On fait ça pour un abonné qui est plutôt dans une optique de revente. C'est parti. On a Sido, c'est du G Orbe catastrophique. Ok. Puissance, un peu d'agi, un peu de force. Le G est relativement bas. Bon, on s'en est à peu près bien sorti là, mais ça peut vite devenir technique. On va essayer de choper le 21 de piège. Et dès qu'on a ça, on bourrine. Ok, bah super. Donc, je pense qu'on va oublier les deux pièges. On va faire 7, 4, 4 plus 97. On a 101 depuis. Non, les deux pièges, ça va être du 28. Je pense que du coup, ce qu'il faut, c'est négliger les deux pièges et s'occuper du reste, et on fera les deux pièges à la fin. Donc j'ai toujours un petit doute sur est-ce qu'on est bloqué à 100 ou 101 depuis, hein, en valeur max. On va dire qu'on a 101. Là, ça va être Pavi, 3. Ça va être... comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, moins 24. On peut peut-être récupérer ici, non? Moins 6. Moins 30. Moins 10, 28 là-dessus. Ok, ça me va. Moins 6, on a 22. On va avoir une tenta pas de pi. On aura 7 en rab, donc j'ai deux tenta pas vie. Ça passe. Moins 6. La pod. On a une pas de piège, voilà. Je pense que c'était le mieux qu'on avait à faire. Parce qu'on n'avait de toute façon pas le perf de piège. Donc autant partir du principe qu'il y a plein de classes qui de toute façon n'utiliseront pas la stat. Et pourront du coup quand même bénéficier d'un item clean sur le reste. Donc je pense que dans une optique de revente, on a fait les meilleurs choix. Voilà, c'était un petit brisage tranquille, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance dommage distance sur un arc de Vulane avec un jet near perf sur la voie terre force en négligeant dommage neutre, chance et retrait PM. Mais c'est normal, c'est ce qu'il nous faut puisque c'est pour aller sur un mode très spécifique sur mon Yop en full bourrin dommage terre en PVM. Donc ça rentre parfaitement dans le mode et ça me fait bien plaisir.